Merveilleux peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Wonderful people of God, please be seated. Je remercie le clergé et particulièrement la mère, au-delà de la mère, la visionnaire qui me fait confiance. Et je remercie davantage le merveilleux peuple de Dieu que vous êtes. I thank the clergy members, most especially our mother, who is the holder of this vision, and also the marvelous people of God that you are. Je ne peux ne pas remercier l'Éternel qui a fait son choix aussi sur moi. I cannot go ahead without thanking God who made the choice, who placed his choice on me. Sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles. Without wasting more time, I want us to open our Bibles. Ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Jean. Open our Bibles to the Gospel of John. Chapitre 19. Chapter 19. Le verset 25. Verse 25. Il y aura un autre. Nous pouvons lire. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie de Magdala. Le second texte, c'est 1 Corinthiens 13, verset 13. The second scripture we're going to read is 1 Corinthians chapter 13. Le verset 13 de l'épître de Paul aux Corinthiens dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole de Dieu? Can we clap very loudly for the word of God? Ma prière est que Dieu fasse en sorte que chacun d'entre nous ait les yeux ouverts au sortir de ce culte. Je n'ai pas l'intention de dire quoi que ce soit sur quelqu'un, mais que Dieu se révèle à chacun tel que il nous voit. My prayer is that at the end of this service, each and every one of us will have his eyes opened by God. I don't want to say anything against anybody, but I want God to reveal himself to us. Après la lecture de ces deux textes, after we must have read these two passages, il ressort un thème qui peut nous orienter. We are going to be orientated on a theme. Et ce thème retenu, c'est les trophées de la croix. And this theme are the trophies of glory. Ça, c'est une bonne nouvelle, les trophées de la croix. The trophies of the cross, it is a good news for us. C'est un message d'éveil, d'évangélisation au sein de ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. It comes to those who have given their lives to Christ to evangelize. Alors, chacun d'entre nous qui a laissé ses occupations à la maison pour venir chercher Dieu doit avoir une motivation. So each and every one of us who has left their occupations at home to come and seek God has a worry in the mind. Dans la première lecture, Jean, l'évangile de Jean nous révèle la crucifixion de Jésus-Christ. The first passage
in the book of John reveals to us the crucifixion of Jesus Christ. Et pendant ces moments de crucifixion, and during these moments of crucifixion, on devait retrouver auprès de lui des gens qui sont déterminés à s'attacher à durer à lui, comme il les enseignait. We had to see around him people who were determined to get close to him as he had taught them. Parce que pour porter des fruits, il faut demeurer en Christ qui est notre cep. Because to bear fruits, we need to stay hung on to Christ who is the tree. Demeurer ou s'attacher à une personne au moins pour trois raisons. To stay with or hang on to somebody for at least three reasons. Je dis donc qu'on s'attache, on demeure auprès d'une personne au moins par trois raisons. I say we stay hung on or we get closer to somebody. Et ces raisons-là, c'est l'apôtre Paul qui n'avait pas été avec Jésus, mais qui par révélation a reçu et a cité ces trois choses qui demeurent. And those three reasons is Apostle Paul, who was not with Jesus Christ, but who received them by revelation, who is giving us. Plus tard, il dira aux Romains que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Then later he told the Romans that in all those things we are more than conquerors by the one who loved us. Il est donc question de chacun d'entre nous qui se retrouve en la présence de Dieu un dimanche matin. So it now comes back to each and every one of us who finds himself in God's presence a Sunday morning. Comme c'est toute la foule qui pouvait venir regarder le grand spectacle de la crucifixion. We are like all the crowds that came to see the spectacle of the crucifixion. Et quand ce spectacle arrive, il se trouve aussi que il y a beaucoup de touristes à la croix. And when that time came, it happened that there were also so many tourists. Or, Dieu ne veut pas que nous venions dans sa maison comme des simples touristes. But God does not want us to come into his house as simple tourists. Il faut que chacun d'entre nous sache, pas seulement au-delà de son identité, qu'il sache ce que Dieu attend de lui. Each and every one of us, as from the identity we have, needs to know what God is expecting from him. Et l'apôtre Paul qui révèle trois choses. An apostle Paul who reveals three things. Était conscient de ce qu'il est. Was conscious of what he was. Mais dans notre premier passage, qui est le passage de base. But in our first passage, which is the main passage. Il est question de trois femmes. We talk about three women. Trois femmes qui portent le même prénom. Three women that carry the same name. Il y a Marie, there mère is de Mary. Jésus. Il y a Marie, femme de Cléopas. There et Marie de Magdala. Mary, the wife of Cleopas, and Mary of Magdala. Trois femmes. Three women. Qui se sont retrouvées près de la croix pendant qu'on flagellait et mettait en croix leur Seigneur. Three women who were by the cross while their Lord was being tormented, molested, and being crucified. La croix, pour moi, c'est l'unité de mesure de notre couronnement ou du trophée que chacun d'entre nous attend de Dieu. The cross to me is that unit of measure which can be used in order to calculate maybe the crown, the type of crown that each and every et one of us carry. Les femmes qui se sont retrouvées ici, c'est un peu l'image de l'Église dans au moins trois formes. These women who were here is an image of the church in at least three different ways. Il est vrai que lorsque je méditais, je me posais la question, mais où étaient les hommes à ce moment précis? It's true that when I was meditating, I asked myself the question, where were the men at this time? Mais
puisque c'est un homme qui était crucifié. But since it was a man who was crucified, j'ai eu une simple consolation. I was consoled. Ça veut dire que c'est un faible pour les hommes. It means it is a weakness for de them. Manifester leur attachement à quelqu'un. To show their engagement to somebody. Mais c'est un point fort pour les femmes. Meanwhile, it is a highlighted point for women. Et si tel en est le cas, une femme peut tressaillir de joie. And if that is the case, a woman can shout, can jump up for joy. Parce que à des moments cruciaux, lorsque tu es présent, ça veut dire avec certitude que tu as droit à un prix, à un trophée, à une couronne. Because at crucial moments when you are present, it means you have the right to have a prize, a crown or a reward. Mais lorsque tu es absent, but when you are absent, cela veut dire que tu peux être un touriste dans la maison de Dieu. It means you could be a tourist in God's house. Et lorsque tu es présent, cela affirme qui tu es et tu peux travailler à cela pour que tu ailles de performance en performance en attendant le glorieux retour de Christ. And when you are present, it means you are engaged and you can go and you can better up your situation while waiting for Christ's return. Et parmi les trois couronnes, il est noté que il y a une qui est au-dessus, qui est meilleure que les deux autres. And amongst the three crowns, it is said that there is one which is best than the others. Et cela dépend une qui pouvait, à nos yeux, au jugement de l'homme, être la pire des cas. And that could be from the man's point of view, that which is the worst of cases. Mais aux yeux de Dieu, elle est la meilleure. But in the eyes of God, it is the best. Je nous rappelle que la croix n'a pas que des tragédies, mais la croix a aussi des couronnes. I want to remind us that the cross does not only have tragedies, but also a crown. Ça veut dire que lorsque nous passons par la croix, nous devons espérer, nous avons quelque chose qui attend. It means when we pass through the cross, we should be awaiting a reward. La croix, simplement, c'est l'épreuve. The cross simply is trial. Parce que quand on se réfère aussi à l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, il leur révèle que tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons sur cette terre va connaître un moment d'épreuve afin qu'on reconnaisse quel matériau nous sommes. When we listen to Apostle Paul in his letters to the Corinthians, he makes us know that all that we are going through in this world is part of the cross in order to make us acknowledge who we really are. Parce que beaucoup de personnes construisent avec le matériau moins cher, rapide, émotionnel et qui, au moment de l'épreuve, ne peut subsister. Because so many people build with fragile material which is not really of good quality and at the moment of construction they don't construct well. Alors, le Seigneur veut que nous tendions tous à ce qui est meilleur. But the Lord wants us all to go towards that which is best. Comme il s'agit des femmes, par exemple, même dans la construction du mariage, comme d'une maison, ça, c'est le même procédé. Il faut s'asseoir, calculer et ne pas rater sa cible. As of what concerns women, it could also be in the building up of your home. You should sit and think in order not to lose that objective. Il y a un mot qui est très familier au milieu des chrétiens, le péché. Le péché, c'est rater sa cible, c'est rater son but, manquer son but. There is a common word amongst Christians, is sin. Sin is making us go et by our objectives. Toute personne qui a marqué son but doit encore recommencer. And anybody who loses his objective has to et start c'est pourquoi all over. On peut construire et voir la maison détruite.
on peut se marier et voir le mariage détruit et reprendre, si on est humble, de reprendre à zéro. And that is why we can build and see the house being destroyed, or we can get married and then we see the marriage. Mais ce qui me réjouit, c'est que l'apôtre Paul, dans sa révélation, il dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. But what makes me happy is that Apostle Paul, in his revelation, says in everything we are more than conquerors. Parce que en décrivant les trois femmes qui ont été trouvées près de la croix. Because while describing the three women who were by the cross, il met loisible de leur donner à chacune un qualificatif. He gave to each and every one of them a qualification. On dira donc que pour la première, Marie foi, Marie espérance et Marie amour. He said for the first, Mary faith, Mary of hope and Mary love. Parce que cette femme se sont distinguées de plusieurs autres femmes, c'est-à-dire elles se sont distinguées parmi tant de chrétiens et chacun d'entre nous est interpellé à se distinguer de par son qualificatif. Because these women distinguish themselves amongst many other women and we are called to distinguish ourselves too by the way. Parce que c'est le qualificatif que Dieu nous donne qui va nous introduire vers notre trophée. Because it is the qualification that God gives us that will take us to our trophy. Et ce qualificatif ne doit pas être connu ou vu seulement de Dieu, mais parmi les hommes. That should not only be known of God alone, but amongst men as well. Alors, je m'en vais très vite nous décrire un peu la première Marie qui était la mère de Jésus. So I'm quickly going to describe the first Mary who was the mother of Jesus. Vous vous rappelez très très bien que Marie, que nous appelons Marie foi. You remember that the Mary that we call Mary simply, étant encore jeune, à l'annonce de l'ange Gabriel qu'elle devait concevoir de par la vertu du Saint-Esprit. While she was still young, she received the announcement by Angel Gabriel that she was to give birth through conception from the Holy Spirit. Il est mentionné qu'elle a cru, elle a accepté et elle s'est laissée soumettre. Mention is made of the fact that she accepted, she believed and she was able to humble herself. Elle a accepté cette annonce par la foi. She accepted that announcement through faith. Et à un moment donné, elle s'est détachée de là où elle vivait à Nazareth pour aller à la rencontre de sa tante. At a given period, she left where she was living, Nazareth. Et arrivée chez sa tante, elle a passé 3 mois. And when she got to her auntie, she spent 3 months. Et après, là-bas, elle est revenue auprès de son proposé pendant 6 mois avant l'accouchement. And after that, she came towards her betrothed for 6 months before giving birth. Et ce qui est patent dans son histoire, c'est qu'elle a enduré toutes sortes de moqueries de personnes qui pouvaient l'amener à douter de Dieu. And what is particular about her is that she bore all sorts of insults and mockeries from people who could discourage her. Mais elle a tenu ferme pour nous prouver que la foi est plus forte que la peur. But she stood firm to make us know that faith is better than fear. La foi est plus forte que la peur. Faith is stronger than fear. Et imaginez une femme enceinte de 3 mois et qui passe 6 derniers mois auprès de son proposé, abstenue de quelque autre relation. Just imagine a woman who spends the 6 last months of her pregnancy by her betrothed, not allowed of any other relation. C'est le défi que nous avons tous comme chrétiens aujourd'hui. It is a challenge we all have as Christians today. Parce que pour manifester clairement notre foi,
il nous attache continuellement à notre Dieu, il faut des choses patentes. Because in order to manifest continuously our faith which attaches us to God, we need some touchable things. Peuvent être observées même par les inconvertis, tout comme par des personnes converties. And those things can also be observed by unconverted or pagans as well as Christians. Et nous savons que même le cheminement jusqu'à l'accouchement, elle a dû manquer même un endroit pour accoucher comme ce qui est normal pour toutes les femmes. As we all know that through her pregnancy and even when she was giving birth, she never even had a roof or hospital to welcome her as any other woman would. Et j'imagine comme dans nos familles aujourd'hui, quand on s'engage au Seigneur, c'est difficile. On nous prend comme des fous. Tu peux même dire, tout le monde observe. On dit, ah, n'est-ce pas, tu as dit que c'est Dieu qui est l'auteur de ceci. Que Dieu prenne soin. Comment tu es dans même le manque de l'hôtellerie? And I can imagine, as we see in our families today, when you become a Christian, you become an object put aside for others. Mais toutes ces critiques n'ont pas découragé celles qui s'attendaient de but Dieu. All those criticisms didn't discourage the one who was awaiting God. Et quel que soit le lieu où elle a enfanté, cela n'a pas réduit la valeur de celui qui était né. And it doesn't matter the place where she gave birth, it didn't take out the value from the person she ça was giving birth to. Ça veut dire qu'on ne croit pas en Dieu par rapport aux choses, aux miracles qu'il accomplit, mais par rapport à l'identité qu'il laisse nous reconnaître, quoi. It means we do not believe in God because of the miracles he's going to accomplish in our lives, but that of the identity he gives us. Et ce n'est pas parce que tu as des manquements que tu n'es pas un enfant de Dieu. And it is not because you have some weaknesses that you are not a child of God. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne craint même pas l'adversité. A child of God is that who is not afraid of adversaries. C'est même une personne qui est extraterrestre. He is somebody who can be considered as out of the earth. Vous pouvez même consulter le psaume 71, verset 7. You can even consult Psalm 91, verse 7. Est-ce que tu sais que tu es un extraterrestre? Do you know you are somebody out of the ordinary? Hein, ma soeur, tu sais que tu es extraterrestre? Hey, my sister, do you know you are out of ordinary? Quand on connaît qui nous suivons et notre identité, quel que soit ce qui se passe autour, on n'est pas ébranlé. When we know who we are following and our identity, we care less about the things that happen around us. Je ne veux pas être subjectif, le verset n'avait pas été noté, mais c'est venu. Psaume 71, verset 7. Psalm 91, verse 7. Le verset 7 dit ceci. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Quand on dit que tu es un prodige, ça veut dire que tu es surnaturel. When they say you are a miracle, it means you're supernatural. Tu es une personne qu'on ne comprend pas. You are someone who is not understood. Mais qui s'impose dans ce que, qui fait sa foi. But he implements himself in that which makes his faith. Et lorsque tu t'imposes ainsi, and when you implement yourself, c'est alors que la croix va te noter et dire que tu as la couronne qui mérite la foi. Then will the cross give you a note and say you deserve the crown? Et non, recevoir seulement des paroles d'une manière émotionnelle et dire amen, oui, je connais, oui, ça n'ébranle pas le diable. When we receive with so much emotions and we say amen, I receive, amen, mais I receive, does not come from the devil. Ce que tu as enduré et lui dit non, non, et personne.
persévérer au point qu'il fuit de toi. C'est ça qui te produit la couronne. And going through what you have received and persevered. Et il en faut pour l'église ces derniers temps. And we need that for the church these last days. J'allais oublier. Nous sommes en train de dire que près de la croix se trouvaient trois femmes, Marie, la mère de Jésus, Marie, Espérance. I said, by the cross we had three women, Mary, the mother of Jesus, and Mary. Pourquoi nous la qualifions de Marie, Espérance, alors que la Bible dit que Marie, femme de Cléopas. Why do we qualify her as Mary Hope, whereas the Bible says Mary the wife of Cleophas? Cela veut dire que normalement chaque femme s'identifie par le nom de son mari. Meaning that normally each woman is being identified by the husband's name. Mais quelque chose attire mon attention. Something attracts me here. Que pendant que cette femme est près de la croix. While this woman was near to the cross, son mari se trouve entre deux disciples qui étaient en train de discuter. The husband was amongst the two disciples who were arguing. Et leur discussion notait le désespoir. And their discussion was that of hopelessness. On peut le lire. J'ai noté un passage, Luc 24, 18 et 21. We can read that from the book of Luke chapter 24 verse 18 to 21. Comment deux disciples, on vient de crucifier, Christ est même ressuscité, mais à 11 kilomètres de Jérusalem, sur la route de Maïs, ils sont en train de discuter. Christ has just been crucified and then two disciples are along the road to Emmaus and they are arguing. Alors, Jésus qui est ressuscité les apparaît et ils ne le reconnaissent même pas. So the resurrected Christ appears to them and they do not recognize him. Et quand il leur pose la question, mais de quoi discutez-vous? And even when he asks the questions, what are you arguing about? Il dit que, mais es-tu le seul ici à Jérusalem qui ignore ce qui s'est passé dans certain Jésus? Are you the only one here in Jerusalem who does not know what happened about Jesus? Nous croyons que c'est lui qui va régner. We thought that he was the one to Nous reign. Nous croyons que c'est lui qui sera le prochain président. We wow. thought he would be the next president here. Mais la manière qu'on l'a traité au bois, vraiment, nous sommes découragés. But the way he was being treated on the cross, we are discouraged. Oh, moi je retiens que l'espérance est une ancre pour le chrétien. Meanwhile, I retain that hope is a weapon for Christians. Une ancre qui ne nous délaisse pas, qui nous rend solide. That which makes us strong. Ceci dénote que si l'Église garde l'espérance, quel que soit le mouvement du monde, le monde va se soumettre à la volonté de Dieu. This means that if the church keeps hope, it doesn't matter what happens in the world will go down to God's will. Et quand Jésus continue et il pose la question à ces deux jeunes gens, Monsieur Cléopas était plutôt en train de dire, et il continue même au verset 22, il dit que il est vrai que certaines femmes nous ont fort étonnés. When Jesus continued and asked the question, and then Cleophas answered that it certaines is true that some nous women ont fort étonnés que surprised us greatly est ressuscité. That Jesus has resurrected. Et parmi ces femmes se trouvait sa propre femme. And amongst those women, his own personal wife was there. Je suis en train de voir le grand rôle que l'Église, que les femmes doivent jouer, même par au sein de leur mari, pour le relèvement de leur mari. I am seeing here the big role that women are supposed to play in church. Quand une femme ignore son identité, elle ignore le but pour lequel elle est mariée, c'est un désastre.
When a woman does not know her identity nor the objective for which she Dieu got married, she says it's a disaster. Que tu gagnes ton mari. God wants you to win your husband over. En restant là où à ton poste. At your job site. Là où il t'attend. Where he's waiting for you. Pendant que lui il pavane, il met en doute tout et il joue la vie. Il faut que tu restes à ton poste. While he is talking and putting doubts in everything, you need to stay at your job site. Si tu ne restes pas à ton poste, tu dois être une veuve. If you are not at the appointed place, you should be a widow. Parce qu'on l'aura ravi facilement. On va le ravir. Because they will take him away. Et le fait que Marie, femme de Cléopas, s'est trouvée près de la croix, Dieu a rendu possible. C'est Cléopas, autrement appelé Alphée. Il a gardé son nom parmi les disciples de Jésus. And because Mary was by the cross when Jesus was crucified, tout it was possible for husband to keep his name. Dans la douleur ou bien dans le secret a des répercussions dans les vies des personnes. All that which is done in darkness or in secret has an effect on people's lives. Pourvu que nous restions focalisés et fermes et assidus dans ce que nous avons à faire. As long as we remain firm and hardworking in what we have to do. Mais hélas, est-ce que c'est le cas de chaque personne? But unfortunately, is that the case with everybody? Est-ce que c'est le cas de tous ceux qui viennent à l'église, qui font les viens? Is it the case of everyone who comes to church doing the to and fro movements? Et une autre chose que l'apôtre révèle en Romains 5:5, il dit que l'espérance ne trompe pas. And another thing he reveals in Corinthians 7 is that he says hope does not let us down. Trompe pas. Hope does not betray us. Très souvent ces mots on les utilise de tort à travers et c'est pour conséquence il n'y a pas de résultat. C'est parce que nous les utilisons hors de leur contexte. Most of the time, those words we use and there are no results is because we don't use them in the actual context. Lorsque tu as un sujet avec toi, avec qui tu es lié, tu as le devoir d'espérer que quel que soit ce que tes yeux voient, Dieu fera la transformation et ramènera la personne là et selon ce que tu veux. When you have somebody with you, it doesn't matter what your eyes see. You have to keep in mind, you have to hope that God will transform and give him cela what peut you want. Prendre du temps. It can take time. Mais cela ne change pas. But that will not change. Cela ne change pas. That will not change. Je peux donc dire que l'espérance ne trompe pas et l'espérance est plus fort que le désespoir. I can say hope does not betray us and it is tougher than desperateness. En tant que ancre sûre et solide pour notre vie. And also as a strong weapon for our lives. Et quand ces deux qualités sont à l'église, cette église reste solide. And when those two qualities are in church, the church remains strong. Et je vais m'attarder un peu plus sur le troisième cas. I want to talk about the third case. Nous avons parlé de Marie Magdala. We have talked of Mary of Magdala. Et cette dernière and this last one était une pécheresse. Was a sinner. Elle était misérable. She was miserable. Mais ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie est resté palpable. But what Jesus Christ did in her life remained visible. Jésus a fait en sorte que cet esprit sorte d'elle. Jesus made that spirit to get out of her. Vous pouvez vous imaginer. You can imagine. Cet esprit méchant. Seven evil spirits. Et comme l'apôtre Paul aime souvent le dire, l'amour de Christ nous presse. As Apostle Paul used to say, the love of Christ itches us. Et Jésus, même sur la croix, il a
il reconnaissait que, oh Dieu, tu m'as formé un corps pour faire rien que ta volonté. And Jesus Christ, even on the cross, acknowledged that God gave him the body to do his will. Ça veut dire aussi en lui, dans sa chair, une grande pression. So he also felt pressure in his flesh. Qu'il avait même le choix de renoncer. That he even had the choice Mais to give par up. Amour, il dit que je ne vais faire que ta volonté. But because of love, he said, I will do just your will. Et là, on retrouve les mêmes réactions chez Marie. And we see same actions in Mary. Tu as eu un Seigneur, un maître, il est mort. Voici le troisième jour et on dit qu'au sépulcre, elle était présente. She had a Lord and Master who died, and the third day it is said that she was present pleurer. At the sepulchre. Crying. Elle était en train de pleurer. She was crying. Elle pleure. She cried. Après, elle prend le courage d'entrer même dans le tombeau. She took the courage of getting into the sepulchre. Et après, sepulchre. Elle voit, elle constate, elle rencontre même deux anges. Qui veillait à l'intérieur. She encountered two angels who were there. On lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches les vivants parmi les morts? He said, but what are you looking for? Why are you looking Jusque for the living là, amongst the dead? Son amour n'est point ébranlé. His love is ceaseless. La vertu des anges ont fait peut-être qu'elle recule, qu'elle soit hors du tombeau. Maybe the angels make her be out of the tomb. Mais à peine elle est hors du tombeau, elle rencontre des hommes. But as soon as she was out of the tomb, she encountered men. Elle rencontre même. She encountered Jesus Mais in quelque person. Part, elle ignore, elle croit que c'est le jardinier. But she thought it was a gardener. Et elle peut quand on lui pose la mais pourquoi pleures-tu? And when they ask the question, why are you crying? Je suis venu. On a fait ceci, cela à mon maître. Et certainement qu'elle venait encore pour embaumer le corps de quelqu'un qui est mort depuis trois jours. She said that we had done things to my master, and certainly she was coming to oil the body again. Même quand Jésus lui apparaît et pose la même question, pourquoi tu pleures? And when Jesus talked to her and asked the question, why are you crying? Elle lui renvoie la question. Est-ce toi qui l'aurais amené? Est-ce que vous pouvez nous dire là où vous l'avez mis? Are you the one who took his body away? Can you tell us where you've kept him? Je voudrais nous dire que c'est très facile de dire qu'on aime, qu'on a de l'amour. I want to tell us that it is very easy to say we love Mais or we have love. La vérité dans l'amour, elle transcende même l'ensevelissement. But the truth in love is that love stays even to burial. Et c'est ça l'évangile de la croix. And that is the gospel of c'est the cross. C'est ça le vrai évangile. It is the true gospel. Savoir que Christ est mort pour que nous ne rations pas notre cible. To know that Jesus died for us not to pass by our Il objective. Il a été enseveli, c'est-à-dire rejeté et mis à part. Il a été repoussé. He was rejected, despised and buried. Mais par la puissance de Dieu, il en est sorti. But through the power of God, he came out of there. Et c'est ça qui fait que notre amour peut être testé et prouvé. And that is what makes that our love can be tested and approved. Elle croit en son cœur que son parfum est capable de dominer même les senteurs d'une personne qu'on a enterrée depuis trois jours. She believed that her perfumes could overcome the odor of someone who was buried even since three days. C'est ça l'amour. That is love. Mais de nos jours, But in our days, plusieurs seraient très faciles de dire « Ah, changeons !» Others will quickly say, let's just change. Parfois même après une semaine, le changement a déjà été fait. When we talk about it, just say the change has already been done. N'en parlons pas quand c'est juste un engagement. Not to talk about when it's just an engagement. Ah, comme tu t'arrêtes là, oh, je peux même prendre une autre direction. As you are even talking like that, I can change directions. Où est ta preuve d'amour?
Where is the proof of your love? Parce que l'amour a besoin d'être aussi prouvé. Because love needs to be proven. Ce n'est pas les évangiles, ce n'est pas les épîtres qui en disent moins. It is not the writing. The writings are not saying less than that. Christ prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a accepté mourir à notre place. Because and Jesus shows that proof of his love because he accepted to die even when we were still sinners. Et quand on est amoureux d'une personne, on résiste même quand c'est un ange qui se présente. And when we love somebody, we insist even when it is an angel who comes. Voyez, un ange apparaît à Marie, mais elle bouleverse même ce que l'ange a dit. An angel appears to Mary, but she overcomes even what he says. Ça veut dire simplement lorsque Christ s'est révélé à toi, lorsque tu as la révélation de Christ, tu es imbattable. This means that when you have the revelation of Christ, tu you cannot be conquered. Partout sur la planète. You can live everywhere he appears to tu you. Peux vivre partout sur le globe terrestre. You can live everywhere on earth. Qu'on dise corona ou quoi, toi, tu es un prodige qui peut bouleverser tout ce qui fait peur au monde. Whether they say corona or what, you are a miracle. You aujourd'hui, can turn over. Dieu attend les chrétiens aller coloniser le monde. Today, God is awaiting that Christians go and conquer the world. Et pour coloniser le monde, il faut faire preuve d'amour par rapport à la révélation de Christ. And in order to colonize the world, we have to prove love as si Jesus tu manques did. Cet amour pour Dieu qui te permet de s'attacher à lui, on viendra te coloniser et prendre même tes terres. If you don't have that love of God in you, you will be colonized et tu and restes locataire à vie. And you will stay a tenant for life. Parce que aujourd'hui il y a des stratégies. Quelqu'un peut rester loin, mais il signe des contrats et il passe même par les membres de ta famille les plus démunis et qui s'engage. Tu es là, tu crois que tu les commandes alors que ils t'ont même déjà trahi. À un moment donné, tu es devant les faits accomplis et tu dois faire comment? Because technology today takes us to the level where somebody can sign a contract from afar through your family members. Oh, lorsque nous avons l'amour pour Dieu attaché à Christ. But when we have love and we are attached to Christ. La meilleure défense, c'est d'attaquer. Your best defense is to attack. Pendant qu'ils viendraient chez toi, tu es chez eux. While they are coming to your place, you are already with them. Et proclamant le règne de Christ. You are already in their places, tu es chez proclaiming eux, the tu reign of Christ. Le règne de Christ. You are someone who is proclaiming et Christ. Ces gens-là vont être bouleversés. And those people will be tu turned vas over. Déjouer plusieurs plans de Satan qui menace le monde. You are going to destroy so many plans of the devil that c'est are destroying the world. C'est ce à quoi on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. It is said the world fils, is awaiting. Quand on dit fils de Dieu là, when they say son of c'est God, pas juste parce qu'on est géniteur de quelqu'un, mais it is not only héritier, because we are born of the person, mais parce que on est non seulement issu d'une personne, mais on est aussi héritier. We are not only born of that person, but we are also heir. Combien parmi nous ne croient même pas à leur héritage? How many amongst us do not even believe in their heritage? Et ils vacillent. And they get tired. C'est pourquoi il nous est difficile aujourd'hui parfois de gagner les âmes et même de les fidéliser. That is why it becomes difficult for us to win souls and to make parce que nous-mêmes nous avons encore les pieds en l'air. Because we ourselves still have legs in the air. Et on trouve certains hommes dans la famille de leur femme et ils disent qu'ils sont héritiers, ils sont mariés. And we can find some men in their wives' families and they say they are heirs. Quel héritage? What heritage? Parce que de nos jours, même les femmes ont droit à l'héritage. Because in our days, even women et are l'homme heirs. Est le responsable. And man is the one il responsible. Est la locomotive que la femme doit
suivre. He is the locomotive that the wife Mais is supposed to follow. Lorsque l'homme ignore son identité, but when we don't know our identity, il vacille sur les faits des circonstances. He will just dance to the chances that are being produced. Son amour envers Dieu est lâché. His love towards God does Mais not stand. Physiquement, on peut voir que non, il y a une femme qui l'aime. But physically, après, we can see viens there chez is nous. A woman who loves me. Viens chez nous. Come to our house. Église. Church. Nous avons le pain sur la planche. We have bread on the table. Mobilisons-nous pour conquérir le monde. Let's rise up to conquer the world. Et cela passe à l'adoration. And that passes through worship. Parce que quand l'ange a insisté et la femme Marie a découvert que hey, c'est Jésus, on dit qu'elle se prosterna et adora. When the angel insisted and she saw that it was Jesus, he said she bowed down and c'est worshiped. C'est notre adoration que le diable recherche. It is adoration that is this our worship that the devil seeks. Et on devrait être révolté. And we have to be awakened up, revolted. Dire comme Daniel que je ne me compromettrai point. To say I will not compromise myself. Mais est-ce que unanimement nous parlons de la même voix? But unanimously, do we talk of the same thing? Voilà le défi chrétien de l'heure. That is the Christian challenge now. Et parfois, c'est par ignorance, par l'or et l'argent qui nous est proposé. At times, it is through ignorance or money and gold which is presented or, to us. En méditant, je comprends que l'amour est plus fort que la convoitise. But while I was meditating, I said, love is stronger l'amour than... L'amour est plus fort que la convoitise de l'or ou de l'argent. Love is stronger than that which we desire, silver or gold. Et c'est en vertu de cette victoire que Marie Magdala a été approuvée comme Marie Amour. And it is in virtue of that that Mary of Magdala was being approved as Mary of Love. Il faut savoir que Satan n'a pas peur de toi. You need to know that Satan is not afraid of you. Mais quand tu es plutôt en train d'adorer Jésus, c'est en ce temps-là que Satan se méfie de toi. But when you are instead worshiping Jesus, that is when Adoration Satan en esprit out. Et en vérité. Worshiping in spirit and in truth. C'est-à-dire focaliser dans ce que tu fais entièrement. That is totally getting focalized on what you are doing. Et l'apôtre Paul dit que en toutes ces choses. And Apostle Paul says in all of these things. Notamment la foi. Notably faith. L'espérance. Hope. Et l'amour. And love. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. We are more than conqueror by the one through the one who loved us. Est-ce que tu peux dire dans quel domaine tu peux prétendre être aussi plus que vainqueur? Can you say in which aspect of your life you can be more than conqueror? Je m'en excuse même de dire prétention. Il faut en être sûr avant l'arrivée du maître. You have to be certain before the master que comes. Que dans tel domaine, je suis plus que vainqueur. That in this aspect, I am more than conqueror. Il y a la foi. There is faith. Et j'aimerais aussi mettre encore une petite virgule par rapport à la foi. I want to say something else. Ce n'est pas seulement la foi pour être sauvé. It is not only faith to be saved. La foi évoque aussi le ministère. Faith also brings up your ministry. Ça peut évoquer l'onction. It can bring up anointing. L'onction étant l'habileté de transmettre un investissement humain.
anointing be that capacity of transmitting. Quand tu as quelque chose et que ça abonde en toi, tu peux transmettre cet investissement divin à quelqu'un d'autre. When you have it and it is enough overflowing in you, you can transmit. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est ça l'onction. That is anointing. L'investissement divin en toi que tu peux léguer à quelqu'un d'autre. Celestial investment on you that you can transmit to someone else. Vous vous rappelez d'Élisée qui marchait derrière Élie? You remember Elisha who was walking behind Elijah. Jusqu'au moment où cet investissement divin en Élie s'est communiqué, a été transmis à Élisée. Till the moment when the celestial investment was transmitted to Elisha. Élisée pouvait alors être un homme fait. Elisha could then become a man made. Même après l'enlèvement de son maître, and after his master was taken away, traverser le Jourdain. He could go through the Jordan. Par la même foi. Through the same way. Il pouvait traverser le Jourdain. He could go through River Jordan. Et il a suffi que quelques jeunes gens se moquent de lui parce qu'il était chauve. And some young men could laugh at him because he was bald. Quand on nous parle de Bactou de Senda aujourd'hui, c'est les ours. They talk to us about Retour à l'Expéditeur today. De ces jeunes gens. He did that to those young people. Mais parfois, on n'a même pas cet investissement humain en nous, mais on fait le bruit, on parle et rien n'arrive. But at times we don't even have the capacity, but we talk and nothing happens. Dieu veut que nous nous voyons tel que il nous voit. God wants us to see ourselves the way he sees us. Et quand nous allons nous voir tel que Dieu nous voit, and when we see ourselves the way God sees us, quelque chose va se passer. Something will happen. Quelque chose va se passer. Something will happen. Et très vite même dans notre nation. And very fast even in our relationships. Je ne sais pas, tu peux être ministre. I don't know, you could be minister. Ça veut dire que tu as aussi l'opportunité. It means you have other opportunities. D'être celui qui va recevoir l'investissement divin qui est en ton maître. Meaning, like one who can receive the celestial investment which is in your master. Et cela se prouve dans l'attachement, dans l'amour désintéressé et un amour infini. And that has been seen, it's been shown on love that is not interested, which les is being attached. Ça l'amour assidu. Which is called real love. Même quand tu ne vois rien. Even when you don't see anything. Tu restes assidu dans ton amour. You stay steadfast dans in your attachement. Love. In your attachment. À un moment donné, même quand ce maître serait difficile de caractère, Dieu va souffler sur lui. Il dit que lâche le manteau. And even at times when your boss is et ce manteau ne tombera pas sur un inconnu. And you will be rewarded. Ce manteau ne tombera pas sur un inconnu. And that garment wouldn't c'est fall ça on le another rôle. Person. C'est pourquoi Dieu, comme des pions, nous a placés par-ci, par-là, dans les sphères de la société. That is why you are like seats that have been placed everywhere in il society. Il veut, comme l'Ecclésiaste 2:26 dit que Dieu permet aux méchants d'amasser, après il transmet ça à celui qui lui est agréable. That is why it's written in Ecclesiastes chapter 2 that God permits that the wicked tu gather and he gives them. Tu passes le temps à dire que, oh, il amasse, il ne me donne pas, il a fait. Reste ferme et reste attaché. À un moment donné, ce ne sera même pas par sa volonté. Dieu va le porter. Instead of you complaining that he takes and does not give me, just stay firm. God will give déjà you. Par terre. Et il va se rendre compte qu'il a déjà tout lâché. And then he will just notice that he's giving it all. Et que tu es le bénéficiaire. And it is you, the beneficial. Et en tant que bénéficiaire, and as the one who profits from it, tu pourras dispenser des diverses grâces de l'Éternel en ce siècle critique. You will be able to use God's different graces in this present cycle. Tu pourras sortir de la prison
après on te trouve parmi les grands. You can go out of prison and then they'll find you amongst the great. Tu peux être un célibataire endurant et à épouser une femme célibataire endurcie. You can be a single man for long and you also get married to a spinster who's been there for long. Si Jésus n'avait pas été un célibataire permanent et endurant, il ne pouvait pas sortir septement à une demoiselle ravissante, aguichante. If Jesus had not been a single man who was persevering in that, he couldn't have the capacity c'est of getting out the seven Dieu demons. Veut nous attendre. C'est à ce point-là que Dieu nous attend. It is at that junction that God is waiting for us. Quand je lis l'histoire de cette Marie, par moment, elle ne fait pas de nos jours pour mettre le parfum sur quelqu'un. On souffle, on appuie. When we read this story of Mary, c'est like la today, qui sort. It is vapor that comes out as mais perfume. Elle, elle casse. She elle break a cassé, it. She elle break a it. And she throw it. Elle verse. She throws. Pas n'importe quel parfum. It doesn't matter what perfume. De grande valeur. But perfume quel of great value. Le poids de ton amour. That shows the weight of your love. Et à la suite, c'est comme si elle sentait que le maître devait être comme il avait l'habitude de dire que on va m'arrêter, on va faire ceci. Ne dis pas ça. Quand elle apparaît, quand Jésus est chez elle, elle verse ses pieds, elle verse ses larmes et de ses cheveux, elle essuie. And when she was at her place, when the Lord was there, et since he had là, a lot of sin, Jésus reste un célibataire. She threw the perfume, her tears, and wiped with her hair, and up to parce there, Jesus remained a single man. De venir, de quitter la divinité pour descendre sur terre, ce n'était pas pour venir se marier. But because the objective he left the heavens and came to earth was not to get tu married. Tu ne peux pas gagner une personne et la fidéliser si tu es désarçonné devant la personne. Ton langage va changer. If you are not strong or correct in front of somebody, you cannot transform the person and make him faithful. Et si Dieu permet que malgré tes efforts, les choses restent comme ça, reste fidèle et Dieu qui ne donne pas le serpent ou le scorpion à la place du pain et de bonnes choses à son enfant, fera pareil pour toi. And if notwithstanding your efforts, things do not change, stay firm because God who does not give snakes Dieu to les sure. choses meilleures pour ses enfants qui ont ces trois vertus. God keeps the best things for his children who have those three virtues. Dieu réserve le meilleur. God reserves the best. Tu peux sortir même de l'esclavage et épouser même la fille d'un ministre. You can even get out of slavery and get married to the daughter of a minister. Qui a un background et avec laquelle tu vas continuer à influencer le monde. And you will get to her, you continue influencing the world. Mais imagine que tu as commencé à résister au nom de Jésus. Après, tu tombes sur une personne qui ne t'était pas destinée. Elle va t'aider à rentrer et à rétrograder. When you fall to on someone who was not predestined for you, will help you elle just go backwards and forwards. Elle va t'aider à rétrograder. She will just help you go backwards. Parce que un jour j'assistais à un mariage, un pasteur dit que la seule guerre au monde, c'est le mariage. C'est la seule guerre au monde où les deux protagonistes dorment dans la même chambre sur le même lit. I attended a wedding where the pastor said the advantage of marriage. Ça veut dire que si tu n'as pas laissé les preuves de ton célibat, tu te maries, celle que tu vas prendre va bien regarder et c'est les faiblesses. Dès qu'elle trouve, elle te gagne à elle. It means if you were not a single person that was et out fast. Tu demeures un éternel esclave. And you will remain an eternal slave. Pareil, c'est vice versa. It is on the two sides. C'est vice versa. It's on the two sides. Pour tous ceux qui
n'endure rien, qui refuse de tout endurer. For all those who do not persevere and who want to do things voilà, their way. Voilà, je tire vers la fin pour poser un certain nombre de questions. Sur quoi suis-je vainqueur? Going to ask these questions. On what am I a conqueror? Vainqueur sur les mauvaises influences. Vainqueur des mauvaises influences. A conqueror over bad influence. Vainqueur sur les puissances spirituelles du mal. A conqueror over evil spiritual powers. Vainqueur sur les afflictions plus sévères. A conqueror over severe afflictions. Ou bien vainqueur sur les attraits du monde. Or a conqueror over the things of the world. Pas de combat, pas de célébration. No battle, no celebrations. Quand tu n'as combattu en rien jusqu'à sortir vainqueur, il n'y a pas de célébration. If you have not fought for a cause until you become conqueror, there will be no celebrations. Quelqu'un a dit, attention, le fou, ce n'est pas celui qui utilise même des stratégies pour renverser le même problème. Somebody said you should pay attention because the dull one is tu not the one who chooses the same strategies. Parce que pour le même problème, tu as toujours l'ancienne stratégie. You can be a dull person because for each problem you still have the same moment, old strategy. Tu changes de stratégie. You have to change strategies quand as le premier jour, tu as dit au nom de Jésus, la situation n'a pas changé. When the first day you say in the name of Jesus and the situation did not change. Continue, mais je n'ai pas peur de toi. Stand and say continue, but I'm not afraid of you. On va voir qui va gagner. We'll toi, see who sachant will win. Que tu es auprès de Jésus. You knowing that you are the Prince of Jesus. C'est ainsi que tu vas finir par avoir la victoire. That is how you end up by having victory. Et lorsque tu auras la victoire, tu pourras mieux développer le sujet sur les trophées de la croix. And when you have victory, you can better develop the subject, the topics on the triumph of the cross. Les trophées de la croix sont des personnes qui sont triomphantes dans des crises. Those who are triumphants of the cross are those who gain in church. C'est ces personnes qui ont droit au trophée de la croix. They are those who are eligible for the trophies of the Je cross. Je ne sais pas quelle est la crise que tu es en train d'endurer. I don't know what crisis you're going through. Dieu t'attend au moment où il peut te célébrer et dire que tu es triomphant. God is awaiting you at the moment he can celebrate and say you are conqueror. Et là, sans doute, toi-même tu vas être émerveillé. Voir ce qu'il te réserve comme couronnement. Comme and trophée. Without doubt, you will also be marveled by what he's reserving for you as a crown. Ne passons donc pas le temps à nous taquiner et à décourager les uns des autres. Let's not waste time hurting each other and discouraging others. Mais que chacun others. D'entre nous ait les yeux ouverts pour se voir tel que Dieu le voit. But each and every one of us should have eyes open to see as God is seeing us. Conscient de notre devoir, conscious et même of de notre assignment but, and that of anyone. Du but que nous avons à atteindre, of the objective we have to get to. Nous serons à l'abri de toute chose. We will be covered up from everything. Et Dieu sera glorifié. And God will be glorified. L'or et l'argent ne sera pas un problème. Silver or gold wouldn't be a problem. Je sais qu'à la fin de la croix, Dieu me réserve quelque chose d'exceptionnel. I know that at the end of the cross, God has reserved something exceptional for me. Tant que je ne vois pas encore, je m'investis à aller dominer le monde, à conquérir des nouveaux terrains. As long as I've not yet seen, I put up myself to go on for more conquers. Voilà, et j'ai dit l'essentiel. I have said what's essential. Et nous pouvons nous lever. And we can rise to our feet. Parce que le vouloir et le faire nous viennent aussi de Dieu. Because the will and the doing comes nous from God. Nous pouvons prier. We can shout. Seigneur, je suis capable. Lord, I am capable. Je suis incapable, dis-je.
I am not capable. Un jour, le serviteur d'Élisée avait peur. One day, the servant of Élie saw a great army and was afraid. Une grande armée les attaquait. Coming to attack them. Élisée, et il presse. Il dit, maître, voilà, voilà, voilà. Élisée lui dit, calme-toi. And he said, master, look, look, look. And Elijah told him, calm down. Nous sommes peut-être deux, mais tu ignores qu'il y a une quelque chose. Quand il s'est mis à prier, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. He said, we are maybe two of us, but you don't know there is something. He prayed, God opened his eyes. Quand ses yeux furent ouverts, and when his eyes le serviteur opened, a trouvé que ceux qui étaient de leur côté étaient plus nombreux que ceux qui les attaquaient. When his eyes opened, he noticed that those who were behind them were more numerous than those who were attacking. C'est le message que tu dois retenir. It is the message you have to prepare. Que si tu demeures attaché à Dieu, ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. That if you stay attached to God, those que who are for you are less than those who are against you are less than que those who are for you. Ou pas. Whether you believe it or Prions. Not. Seigneur, ouvre mes yeux. Say God, open my Seigneur, eyes. Ouvre mes yeux. Lord, open my eyes. Je ne veux pas être un touriste à la croix. I don't want to be a tourist to the crowd. Mais quelqu'un to the qui cross. A un but à atteindre. I just want to serve you ardently. Ouvre mes yeux. Open my eyes. Pour que je voie le plan merveilleux que tu as pour moi. For me to see the marvelous plan you have Et for me. Et que je ne manque pas mon but. And that I shouldn't pass by my objective. Parce que ce sera grave. Because it will be great. Que de me retrouver en enfer et de voir ce que Dieu avait réservé pour moi, même sur terre. For me to be in hell, than to see the things that God reserved for C'est me even on le earth. Péché. That is sin. Et ça ne concerne pas les inconvertis, ça concerne nous tous. And it does not concern only pagans, it concerns all Est-ce of us. Que ce que tu fais, what ce you quoi do, tu aspires là, rentre dans le but de Dieu de ta vie? Is what you're doing going into line with what God prie, has for your prie, life? Prie, prie, Seigneur, pray, pray, si Lord, je suis sur une mauvaise voie, if ramène-moi I am on the sur way, le chemin que tu as prédestiné. Take me back to the road that you prepared. Parce que ta parole dit Because your word la fondation du monde, before the world was founded, tu me connaissais. You knew me. Si je me retrouve ici, ce n'est pas un hasard. If I am here, it is not Prie, by chance. Dis au Seigneur selon tes propres mots. Pray, tell that to God from you with your own words. Hallelujah. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Nous ne voulons pas être des fanatiques dans ta présence, mais nous voulons être des personnes conscientes du rôle qu'ils ont à jouer et qui le jouent effectivement. Seigneur, fais-nous gagner des batailles afin que le monde sache que quel que soit ce qu'il complote, toi aussi tu es en train de mobiliser une armée invisible qui va déjouer tous leurs plans. Et ils vont t'accepter en masse. Ils vont t'accepter en masse. Seigneur, gloire soit rendue à toi parce que tu es merveilleux. Tu es fidèle et tes promesses sont sûres. Elles se réalisent. Elles se réaliseront certainement pour chacun. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Let's be seated. Et s'il y a une personne qui ressent en elle qu'elle est déconnectée de Dieu, qu'elle n'a pas encore connu la nouvelle naissance, Jésus-Christ que nous confessons ici est le premier à naître de nouveau. And if there is somebody here who feels that he's not yet attached to God. Il vivait au ciel spirituellement depuis le commencement. Jesus was in heaven spiritually from Sa the beginning. Sa nouvelle naissance, c'est quand il est né du ventre d'une femme. His new birth is when he was born in the womb of a woman. Et toi, tu es né premièrement du ventre d'une femme. And you are first of all born from the il womb of a woman. Il faut que tu naisses de nouveau.
You need to be born again. Est-ce qu'il y a une personne qui sent le besoin de naître de nouveau? Is there anyone here who feels he needs to be born again? Si tu ressens cela, lève-toi, on va solennellement prier pour toi. It is not any negotiation. If you feel that, just rise to your feet and we'll pray for you. Et tu vas avoir un nouveau témoignage. And you have a new testimony. Un nouveau témoignage. A new testimony. Que tu n'es pas né de la selon la volonté de l'homme. You are not born according to the will of a man. Selon la volonté de Dieu. But you are born according to the will of God. Et ce qui fera. And that is what will be. Tu sois même dans la foule. That you be in the crowd. Mais Jésus te reconnaît. But Jesus recognizes. Quand Jésus te reconnaît. When Jesus recognizes you. Tu peux avoir l'assurance. You have the assurance. De continuer ta vie avec sérénité. To continue your life with serenity. Mais si ce n'est pas Jésus qui te reconnaît. But if it is not Jesus. Tu vas pour dire je vais faire telle chose. Tu peux être même éloquent et faire. Mais un jour tu vas encore tomber sur tes propres difficultés. You can do all the things you can do, but one day you will still fall on your way. Et Jésus viendra te poser la question. Est-ce que tu m'aimes? And Jesus will come and ask the question, do you love me? Tu risques d'être énervé. You tell him. Why il me pose cette question? You say, why is he asking the question? Levons-nous, nous allons prier pour ces personnes. Oh Dieu de grâce. Let's rise to pray for them. Seigneur, Seigneur, ne tiens pas compte des temps d'ignorance que ces derniers ont connu. Lord, that you do not withstand the time of ignorance. Quand ce jour solennel, on this solemn day, un nouveau départ, a new beginning, soit pris dans la vie de chacun de nous. Be taken in the lives of each and every one of us. Un nouveau départ, a new beginning. Et je suis sûr que lorsque tu approuves quelqu'un, and I am certain that when you approve somebody, la personne n'aura pour punition que de prier. It doesn't matter the adversary, so Lord, the person will just shine. Je prie que tu fasses briller ceux-ci qui sont approchés de toi. We pray that you make them shine who have come to hang on you. Et que désormais ils soient des terreurs dans le camp de l'ennemi. And henceforth they become terrors in que the world of the enemy. Pendant qu'ils marchent. That you justify the steps while they alléluia. Walk. L'autre dit amen. Et que s'il y a même les démons ou quoi que ce soit devant eux, que ça prenne let suite. One step says alleluia, other says amen, and if there are demons, they won't do anything. Pardonne leur faute. Forgive their sins. Donne leur de renaître. Give them to be born again. De ressusciter avec toi. To resurrect with you. En nouveauté de vie. In a new life. Et que cela soit un rattrapage pour chacun. And that be a passage for each. Gloire à ton nom parce que tu es fidèle, tu le feras. Glory to your name because you are faithful. Amen. Amen. Pouvez-vous s'asseoir là-bas? Certaines personnes vont vous prodiguer des conseils à la fin. We're going to recommend you into the grace of God. Seigneur, regarde ton peuple. Lord, look at your people. De ton amour, parce que tu nous as aimé le premier. Your love because you. Et tu as touché au cœur de chacun. And you have put in each heart. Nous attendons de toi une transfiguration réelle. We are awaiting from you a real transformation. Une transformation qui va bouleverser le monde. That which will make the world cry. Que chacun se voit tel qu'il est connu dans le règne spirituel. That everybody should see himself as he is in the et spiritual qu'il marche world.
avec assurance. And walks with assurance. Parce que lorsqu'on peut perdre même tous les autres dons. Because when we can lose every other thing. Et qu'il nous reste la foi. And we have faith. L'espérance. Hope. Et l'amour. And love. On est plus que vainqueur. We are more than conqueror. On est plus que vainqueur. We are more than conqueror. Notre pays est plus que vainqueur. Our country is more than conqueror. L'église dans notre pays est plus que vainqueur. Our country is more than conqueror. De jour en jour, ses yeux s'ouvrent. From day to day, the eyes open. Pour posséder nos possessions. To possess our possessions. Et sortir de la colonisation du diable. And get out of the devil's colonization. Pour entrer et coloniser le monde sous ton autorité. To get in and colonize the world under your authority. À toi seul la gloire. To you the glory. À toi seul l'honneur. To you alone the honor. Raccompagne-nous dans nos demeures respectives. That you take us back to our different homes. Et que toute la semaine soit une semaine de victoire. And that our week be that of victory. Que cette semaine soit une semaine de victoire. And that this week be a week of victory. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. We have prayed in the mighty name of Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer? Can we clap?